Alors, je vous laisse vous présenter. Alors, Pascal Plante, je suis premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion et président actuel de l'Union des chambres de commerce de l'océan Indien. Alors, pouvez-vous nous présenter la nouvelle plateforme qui va être lancée et en quoi les entreprises, en quoi ça représente des opportunités pour les entreprises réunionnaises? Alors, cette plateforme qui est lancée, elle vient à la demande des chefs d'entreprise de la zone océan Indien qui se réunissent tous les ans dans le cadre des forums économiques des îles. Et cette demande, elle est la suivante, c'est de leur permettre de découvrir, d'échanger et de rencontrer virtuellement d'autres entrepreneurs de la zone pour pouvoir développer les courants d'affaires. Donc, nous avons formalisé cette plateforme pour répondre à la demande des chefs d'entreprise. Et cette plateforme va permettre aux entreprises inscrites de découvrir soit un client, soit un fournisseur ou encore un partenaire, voire des groupes d'entreprises qui peuvent se former au sein de clubs virtuels sur la plateforme et donc pouvoir échanger, travailler ensemble sur des potentialités. Alors, sur cette plateforme, les Réunionnais peuvent postuler à des offres d'emploi, ils peuvent déposer leur CV. Alors, comment ça va se passer? Est-ce qu'ils devront payer un abonnement? Alors, c'est l'entreprise qui paiera un abonnement un des services offerts par la plateforme est de pouvoir trouver un collaborateur selon la fiche de poste qui est attendue. Donc, les demandeurs d'emploi, entre guillemets, pourront bien sûr s'inscrire. Il n'est pas question pour eux de payer un abonnement, mais ça fait partie de cette offre de service qui est proposée par l'Union des chambres de commerce de l'océan Indien. Et si l'entreprise ne trouve pas les CV postés sur la plateforme, il appartiendra aux chambres de commerce locales de rechercher, grâce au partenariat avec Pôle emploi pour la Réunion ou d'autres instances, les CV qui correspondent.